Chérie. Jésus. Pardonne-moi. C'est qui ça? Oui, j'arrive. Salut garçon, est-ce que je peux entrer? Mais... N'essaye jamais de revenir! Cherchez ma maman. J'ai même envie de l'étrangler! Je crois que j'ai entendu quelqu'un en train de toquer. Mon ami, je suis en train de parler. Il y a quelqu'un à la porte? Non, arrête ça. Non. Waouh, elle est là, mon ami. Ma chère. Mon ami, waouh. Tu as l'air belle, très belle. Ah bon? Comment vas-tu? J'étais chez toi, je fais tant de tours, mais tu n'étais pas là. J'étais là, je t'ai même attendu, mais tu n'étais pas toujours là. Où étais-tu partie? J'étais allée à Abuja. Abuja! Abuja? Ma chère, viens, viens d'abord, on va parler. Alors, dis-moi, comment Abuja là-bas? Hey, Abuja va tellement bien! Hey, je peux les voir! Nara, hein? Dis-moi, lesquels de tes petites amies t'a caché pendant tout ce temps que tu ne te laissais pas voir? Dis-moi, pendant ces 2 mois, c'est qui? Oh, petite amie, tu dis, ma soeur, il n'y a aucun petit ami, je t'ai dit. Donc, il n'y a personne. J'étais partagée chez ma grande sœur. Son mari avait voyagé pour l'Espagne. Mmh. Alors, ma sœur m'avait demandé d'aller rester avec elle. C'est ça le problème. Mmh. Oui, comme tu m'as dit. Celle-là, elle va tellement bien. En fait, c'est la très bonne belle sœur qui puisse exister. Mmh. Je peux le voir. Regarde comment tu es belle. Sérieux? Merci. Ok, alors... Cet homme, quel homme? L'homme que je t'avais parlé autrefois. Oh! Écoute, cet homme est tellement compliqué. Sérieux? Il m'a embrouillé d'une façon que tu ne peux imaginer. Je pensais qu'il allait abandonner. Tu sais, avec tous ces voyages que j'ai eu à faire, mais il ne m'oublie pas toujours, je ne sais pas. Il n'arrête pas de me déranger. Oublie un peu ça, ma chérie, hein? Dis-moi, qui peut voir le genre de femme comme toi? Elle l'a laissé partir. Hein? Mon Dieu. Ma chérie, tu as de bonnes qualités, de très belles qualités qu'aucun homme ne peut laisser. Aucun homme ne peut te laisser passer. Mais j'ai dit. Hey. Alors, comment de ton côté? Moi,
Tu demandes si mais ça va. Mais dis-moi la vérité. Il y a rien. Tu es sexy. Sexy quoi? Mais tu n'es pas mon chien, tu connais mignon. Oh. Tu peux m'attendre ici. Oui, pour arranger mes cheveux. Ça me dérange pas. C'est bon, attends, moi j'ai mal à la jambe, je t'attends pas. Ok. I feel that you coming close. I wish that you were around. Je suis désolée, chérie. Hmm? Alors viens. Viens, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Il n'est plus là, non? Pas maintenant. Va-t'en. Va-t'en. Non, va-t'en. Je te hais depuis le jour où je te vis avec cet homme. Va-t'en. Va-t'en. Oh, bébé. Oui, bébé. Viens voir ton téléphone, il sonne oh, ici. Oh, mon bébé, tu es là. Oh, d'accord, que je tienne alors la paix. Oui, chérie. Bébé, je ne sais pas pourquoi il me fait. Oh. C'est moi de la manière dont tu nous avais laissé. Rien n'a changé. Zoubé, là c'était il y a longtemps. Ça fait longtemps, il y a très longtemps que tu nous appelles plus. Et pourquoi tu appelles aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi, dis-moi? Et tu appelles encore, tu appelles sans excuse. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pas maintenant, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule. Veux-tu vraiment que je parte? Sérieux, tu penses vraiment que je ne suis pas suffisamment bon pour être comme lui?
tu sais bien combien je t'aime, tu le sais. Et alors? Mais ce n'est pas le bon moment, peux-tu arrêter? Alors, je crois que je ne suis pas à la hauteur, je pense bien. Bébé, c'est quoi le problème? Excuse-moi. Je suis fatiguée. Non. Allez, viens. Bonjour madame. Bonjour. Prince. Prince. I want you closer to me. I want you back. I need you close. To me, I need you back. Daddy, I want you back. Oh, oh.
There's no one can take good care of me if not you. There's no one that can be without. Ma chérie, pour être franche avec toi, l'attitude de ces jours de ma belle-sœur ne me plaît pas. Je t'ai dit, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, la fois dernière, je pressentis qu'elle n'avait pas passé une nuit à la maison, que son fils était resté seul à la maison. Et son fils, Prince, est tellement décis que sa maman se comporte de la sorte. Mais je t'ai dit, tu essaies de dire qu'elle est suspecte? Elle est suspecte. Je n'ai pas besoin d'être négative, mais je vais faire des recherches. Mais je crois vraiment que c'est ça ce que je suis en train de penser. Mon frère l'aime beaucoup. Il ne peut pas le décevoir pour n'importe quoi. Comme tu viens de le dire, tu n'as pas besoin d'être négatif, je te dis. Tu dois la voir et parler avec elle. Qui sait si elle n'est plus en contact avec ton frère? Bon, je ne sais pas comment le faire, mais je crois qu'il y a longtemps que mon frère n'est plus là. Mais dans ces cas, pourquoi tu ne les visites pas et tu restes loin d'eux? Peut-être que tu entendras quelque chose. Tu as vraiment l'intérêt de le faire. Exactement. Je veux vraiment le faire. Je prie. Que ça ne soit pas ce que je suis en train de penser. Même si c'est ça, que feras-tu? Eh, Nora, oui. Tu n'es pas normale, toi. Mon cher, va de l'autre côté, va me chercher l'élève Uchi. Il arrive un garçon. D'accord, monsieur. D'accord. Fais vite, hein? D'accord. Mon ami, c'est quoi ton problème? Regarde, tu peux toujours me dire ce que tu es en train de traverser. Et sache que ça va passer. Ok? Monsieur, c'est ma maman. Ma... Et qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu peux toujours me parler. Dites-moi un peu, est-ce que c'est bien pour une femme mariée d'être avec un autre homme parce que son mari n'est pas là? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ma maman qui fait tout ça parce que mon papa n'est pas là. Ça, ce n'est pas bien. Alors, dis-moi ce que ton père fait pour vivre. Il est un journaliste. Mais il est très, très, très loin d'elle. Ah. Mais non, je te comprends encore. Il faut surmonter cela. Mais Gracie, ne t'en fais pas. Hmm? Je vais parler à ta maman pour qu'elle en arrête, ok? C'est juste que je vais voir mon papa. Oh, d'accord. Je trouverai un moyen pour mettre fin à cette hémorragie, d'accord? Il y a quelqu'un qui m'a appelé? Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui vous a appelé. Il a beaucoup insisté. Malheureusement, je n'ai pas pris l'appel. As-tu essayé de rappeler? J'ai essayé de rappeler, mais son téléphone est éteint. Ah. Ok.
dans le véhicule. Bonjour, messieurs. Monsieur, qu'est-ce qui est en train d'arriver exactement à ma famille, quoi? Hein? Oh, mon Dieu. It is a broken chain. It is a shark. Bonjour, messieurs. Comment vas-tu? Je m'excuse pour vous. Pas de problème. Bienvenue. Merci. Je m'excuse, madame. Je ne sais pas comment saluer les gens. Désolée. Bon après-midi. D'accord. Quelque chose à boire? Tu n'as pas vraiment à t'inquiéter. Merci. Madame? Oui, monsieur. Peux-tu me regarder dans les yeux et me dire que tu ne vois pas un autre homme? Excuse-moi? Tu es sérieux en me demandant cela? Oui, et je le ferai encore. Je ne peux pas rester ici et entendre ce que tu viens de dire là. Je ne peux pas le faire. Excuse-moi. Mon souci n'est pas celui de t'accuser auprès de ton mari. Mais le problème ici, c'est ton fils. Peu importe ce que je pose comme acte, sache que ça affecte ton pauvre garçon. Tu dois arrêter, s'il te plaît. Il est en train de devenir des jours au lendemain médiocre. Je n'aurai pas autre option que celle de t'accuser si tu n'arrêtes pas. Si tu es prête à me parler, alors téléphone-moi et je serai disponible pour toi. Allô, allô, messieurs. Ta famille a vraiment besoin de toi. Précisément ton fils. Je ne peux pas te dire, mais ton fils a besoin de toi. Passe une bonne journée. Bonjour, sois la bienvenue. Je pensais que tu n'allais plus venir nous visiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas, mais c'est la maison de mon frère. Oh oui, je comprends tout. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Moi aussi. Je comprends. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour mon frère. Ma soeur, j'ai déjà prié. Que je prie comment? De toutes les façons, où est mon neveu? Oh, il était parti à l'école. Il revient dans quelques minutes. Ok, je vais lui attendre. Oui, il revient d'ici là. J'ai tellement envie de le voir, de le voir. Oh! Tantine! Comment vas-tu? Oui, ça va. Comment était l'école aujourd'hui? Oui, ça s'est bien passé. Hé! Hey. Tu n'es pas erré apparemment. C'est quoi le problème? Tantine, ça ne va pas. On doit se parler? Oui, c'est ma maman qui... Oh mon chéri, tu dois d'abord aller te changer, ok? Et je viens te donner la nourriture, ok? Chérie, n'importe quoi. Oh belle sœur. Tout va bien? Oh, tout va bien, t'inquiète. On discute seulement comme ça. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça.
Alors dis-moi, ta maman t'a frappé? Pas vraiment. Mais elle a beaucoup changé. Elle ne prend plus très bien soin de moi comme elle le faisait quand papa était encore à la maison. Vraiment? Oui. T'inquiète, je suis là maintenant. Je vais prendre soin de toi. Dis-moi la vérité, combien de papas a-t-il déjà eu après le départ de ton père? Ne me cache rien. Elle a emmené... Belle-sœur, pouvez-vous arrêter un peu de parler? Il est tard, hein? Toi, vas-y d'abord là-bas, toi reste, va dormir, dors. Mais c'est juste que je n'ai pas mais... Demain c'est aussi un jour. S'il te bon. Plaît. Demain c'est aussi un autre jour, nous allons continuer demain, ok? Hein? D'accord, tantine. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Messieurs, qu'est-ce que tu disais à ta tante? Je demande, qu'est-ce que tu lui disais? Écoute, si tu essaies de lui dire quelque chose à mon propos, ce que je vais te faire, tu vas vraiment regretter. Hein? Arrange-toi là-bas. Bienvenue. C'est lui le monsieur qui vient à tout moment voir T'inquiète, ma maman. T'inquiète, je les ai vus. Est-ce que vous l'avez vu? Sandy, il t'est mort, il ne sait même pas de quoi il parle. Allez, entre dans la maison. Tu ne peux même pas mentir. Je dis entre dans la maison. Sandy ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Ne l'écoute pas. Hein? Jure au nom de Dieu. Sandy, je te jure que cet homme est un plombier. Est un plombier, regarde. Prends ton temps de le regarder. C'est un plombier. Pourquoi dois-je te mentir? C'est un plombier. Pourquoi dois-je te mentir? Je jure au nom de Dieu que c'est un plombier. Un plombier? Oui, bien sûr. Donc, je suis maintenant un plombier, n'est-ce pas? S'il te plaît. Ce n'est pas c'est ce bon. Que tu penses. Merci. C'est je bon. Merci. Mais attends d'abord, arrête ce que tu fais, attends, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Comment veux-tu? Dis-moi, comment veux-tu? Mon frère t'aime de tout son cœur. Comment tu peux faire ça? Comment? Comment tu peux lui décevoir de la sorte? Comment? Sandy, s'il te plaît. Sandy, s'il te plaît. Ne lui dis rien, je t'en supplie. Laisse-moi. S'il te plaît. Ne lui dis rien, je t'en supplie. Sandy, s'il te plaît, je ne le ferai plus. Pardonne-moi, je t'en supplie, je ne le ferai plus. Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu lui avais dit que tu es une femme mariée? Oui, je lui avais dit. Menteuse. S'il te plaît, pardonne-moi. Si je trouve encore l'un d'eux dans cette maison, ils vont regretter, ils verront de quel bois je me chauffe. Et ce jour-là, on verra ce qui arrivera. Ça, je te promets encore pour une deuxième fois. Ce n'était pas de mes intentions de laisser voir mon homme, je t'ai dit. Mais comment c'est arrivé qu'il vienne dans ta maison? Comment? S'il te plaît, comment c'est arrivé? S'il te plaît, je t'en supplie, tu n'es pas gentil, toi. Je t'en supplie, je ne le ferai plus, je t'ai dit. Écoute-moi, je t'en supplie, écoute-moi. Non, je suis désolée. Non. Je dois le dire à mon frère. Je dois le dire à mon frère. Mon frère doit le connaître. Je dois le dire à mon frère. Non, je ne peux pas permettre cela. Je ne peux pas, je dois le dire à mon frère, je suis désolée. Sandy, s'il te plaît. Aucun lien.
Belle sœur, dis-moi, où vas-tu à cette heure? Réponds-moi vite. Tu ne peux pas me poser quand même la question dans ma maison. C'est la maison de mon grand frère. Je n'ai même pas besoin que tu me répondes de la sorte. Tu abandonnes ton propre fils. Et ce qui est grave, tu es laissé seul à la maison. Et tu les laisses en train de préparer. Et ça fait quoi tout ça? C'est pour lui la première fois de préparer avec les gaz ou quoi? Hein? C'est mon fils. Oui, il prépare dans ma propre maison. Laisse-moi te dire que tu ne mérites pas d'être une mère. N'importe quoi, imbécile. C'est à moi qui dis ça. Si, tu vois, je fais. Quitte là, quitte là. Es-tu folle? Essaye. Es-tu folle? Ferme. Tu n'iras nulle part. Quitte-la. Tu verras aujourd'hui. Essaye. Attends. Je vais te suivre partout. Essaye. Tu vas gifler. Tu as essayé. I need your hand. I want you closer to me. I want you back. I need you closer to me. I need you back. Daddy, I want you back. Papa, où es-tu? Papa, tu me manques, où es-tu? Papa, papa, Prince? Oui, tantine? Qu'est-ce que tu l'as? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller me faire quelque chose à manger dans la cuisine. Tu veux faire quoi? Préparer quelque chose pour toi? Pourquoi? Oui. Tu n'as pas intérêt de le faire. Pourquoi? C'est depuis le matin que je n'ai pas vu ma maman et c'est comme ça que je me suis décidée de le faire moi-même. Oui, j'ai vraiment faim. Alors, tu ne sais pas que c'est dangereux de préparer avec les gaz? Tantine, ce n'est pas si grave. J'ai quand même l'habitude de le faire moi-même. Tu l'utilises déjà? Oui. Mais est-ce que ta maman est au courant de ça? Oui, des fois elle demande que je fasse moi-même quelque chose à manger lorsque j'ai faim. Tu es sérieux? Oui, mais je pense qu'il n'y a rien de mal avec ça. Prince, je suis désolée. Désolée, pourquoi? Laisse-moi préparer pour toi, ok? Tantine, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Attends qu'on aille à la cuisine, comme ça je vais te montrer ce que je sais faire à la cuisine. Tu es vraiment sûre? Allons-y, je vais te montrer. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Je crois qu'il n'y a rien de grave. Mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Non, ça ne dérange pas, je vais appeler le docteur, il n'y a pas moyen qu'on se déplace avec. Attends. D'accord, reste avec lui, j'appelle d'abord le docteur. Je téléphone le docteur, j'arrive.
le fait qu'il faisait beaucoup de travaux... Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est le stress et l'anxiété. Docteur, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? À son âge ici, il doit stresser pourquoi? Il doit stresser pourquoi? Bien, et il a besoin de beaucoup de repos. Okay. D'accord? Et rassure-toi qu'il se porte bien. Et je vais prescrire certains médicaments qui vont l'aider. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je vais vraiment faire de mon mieux afin de s'occuper. Merci et portez-vous bien. Merci beaucoup et bonne année. Belle-sœur, qu'il se porte bien. Sani, mais pourquoi tu dois me faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi tranquille, c'est quoi avec toi? Papa, papa. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne fais jamais de pardonner. Je suis ta maman, pardonne-moi. Je ne fais jamais de pardonner. Je te ferai plus. Tu es une maman qui nous aime. Je te ferai plus du mal. Comment pardonne-moi, je t'en supplie. Pendant que papa prend très bien soin de toi. S'il te plaît. Je ne vais jamais te pardonner. Je suis désolée. Je te... Laisse-moi seul. Je ne vais pas te pardonner. Lily, je me laisse seule. Je ne veux pas rester à côté d'elle. Non, je veux qu'elle parte. Je veux qu'elle parte. Prince, s'il te plaît, elle est toujours ta maman. Arrête, je ne veux même pas. C'est bon. J'étais venue juste prendre soin de toi. C'est bon. Oh, chérie, calme-toi. Calme-toi alors, c'est bon. Je suis là, tu dois te calmer. Calme-toi. J'ai besoin de mon papa. Mon papa. C'est bon, je suis là, calme-toi. Calme-toi, je suis là. C'est bon, je te comprends, calme-toi. Ça va aller, calme-toi, je t'en supplie. Calme-toi, ça va aller. C'est bon, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Calme-toi, je t'en supplie, chérie. Calme-toi, ça va aller. I want you closer to me. Mon frère, je suis tellement désolée. Je dois vraiment prendre soin de mon neveu avant d'être là. Ah, pas vraiment. Mon neveu est vraiment capricieux. Pas vraiment bien. Ce n'est pas vraiment propre qu'on lui parle au téléphone, nous allons lui parler même en face. T'inquiète, quand tu seras là. Donc, c'est vraiment ça. Wow. Merci. Grand frère, bonne nuit. Désolée, madame, de t'avoir répondu en retard.
que l'âge que tu m'avais dit autrefois, j'ai encore oublié. J'avais dit qu'il a encore 10 ans. Ok. Ok. C'est possible pour moi de voir le petit garçon? Pourquoi pas? Oui. Ok. J'aimerais les rencontrer moi-même et lui parler, lui poser quelques questions. Sans problème, je viendrai avec lui. D'accord. Merci. Merci d'être venu. C'est bon. Merci beaucoup pour le bon cœur. Ok, d'accord. Au revoir. Au revoir. I need you around. I want you closer to me. I want you back. I need you closer to me. I need you back, 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 back. Daddy, I want you back, 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 back. There's no one can take good care of me if not you. There's no one that can be with like you. I need you back. Come back. Back. Je pense que mon frère doit être au courant de tout ce que sa femme est en train de faire dans cette maison. Ah. Bien sûr que oui, il doit les connaître. Je ne peux pas laisser quand même cela se passer ainsi. Il doit être au courant. Mais est-ce que c'est important que je le dise? Mais si je ne lui dis pas tout ce qui se passe ici, son fils va lui dire, bien sûr. Mais je soutiens 100% cette idée. Je dois quand même lui dire. Il doit être au courant. Oh. Je dois lui dire ça. Oh. Hey, où est-ce que vous partez? Où est-ce que tu pars avec mon fils? Hein? Nous partons nous promener. Vous promener? À cette heure, vraiment, tu es sûr? Il n'est pas nulle part. Mais sœur, s'il te plaît, je n'ai pas le temps d'attendre tes bêtises. Nous sommes tellement en retard. Nous sommes en retard. En retard de quoi? Rentre comme ça. C'est mon fils. Oui, c'est mon fils et j'ai un droit sur lui et non toi. Toi, entre dans la maison. Entre dans la maison! Je reporte ce rendez-vous juste à cause de toi. Qui reste dans la maison, cela n'est même pas mon problème. Qui stresse encore à nouveau, qui stresse encore. C'est ton problème. Merci beaucoup, excuse-moi. Mon frère. Oui, grand frère. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis très très ravi aujourd'hui. Tu sais quoi? Je me suis rencontré avec une nouvelle amie aujourd'hui. Vraiment? Oui, oui. Ok.
Un garçon ou une fille? Une dame, bien sûr. Oh, c'est bon. Mon frère, tu dois vraiment être prudent. Tu dois vraiment, vraiment être prudent avec les filles. D'accord? Mon frère, ne permets pas à ton apparence de faire du mal à ton cœur dans l'avenir. Tu as compris? Oui, je veux dire que celle-ci est totalement différente. Tu dois vraiment être prudent. Tu dois apprendre à considérer tout le monde à sa juste valeur. D'accord? Oui, d'accord. Ok, bon, ouvre le portail pour moi, j'arrive. Ok. Mon bébé, tu sais, je crois que tu n'es pas contente. Même pas, mais tu n'es pas juste gentille. Vraiment? Mais tu ne viens pas me voir. Et pourquoi ne m'as-tu pas invité ici hier? Elle était ici? Bébé, elle est ma belle-sœur. Elle mérite quand même du respect tant que belle-sœur, hein? D'accord. D'accord, bébé. Et maintenant qu'elle est partie, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur qu'on est vraiment ensemble? Non, pas du tout. Mon fils est à l'intérieur et il est malade. Je dois vraiment prendre soin de lui. Sans faire ça, ok? Bébé, je devais te dire quelque chose. Quand tu as choisi de me permettre de passer mon temps afin de ramener mes ressources ici, et tu me dis ceci maintenant, pourquoi? C'est à propos du sexe. Oh. On ne peut pas passer un bon moment ensemble, il faut savoir qu'il y ait le sexe à l'intérieur. Oh, Seigneur. Bébé, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec ce sujet. Alors, je dois donc, partir maintenant. Donc, s'il n'y a pas le sexe, on ne peut pas passer un bon moment. Je dois partir, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour passer du temps inutilement. Je suis venu ici pour faire du sexe avec ma chérie, s'il te plaît. Bola. Bola. Alors, et si tu me parlais un tout petit peu de toi? À ta santé. À la maison, juste pour suivre cet homme qui n'a même pas de sens. Ah, c'est fou vraiment. Alors écoute, la prochaine fois que tu vas nous embarrasser comme ça, je ferai sortir le diable qui te fait parler comme ça. Oui. Moi? Oui. La prochaine fois, je te vois encore avec la femme de mon frère. Ce jour-là, tu verras ce que je vais te faire. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Un instant. Tu connais cet homme? Oui, oui.
Il est mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Reste loin d'elle. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Mais grand frère, tu ne m'as jamais dit qu'elle était une femme mariée. Hein? En quoi est-ce que cela te concerne? Hein? Écoute, revois toujours ta façon de me parler. Et rappelle-toi que tu es dans ma maison. Nous ne parlons pas de la maison, grand frère. Je sais déjà que c'est ta maison, oui. Non, mais je ne pense même pas que tu aies une affaire avec une femme mariée. C'est une humiliation pour notre famille. Et d'ailleurs, retranche-moi. Es-tu stupide? Es-tu stupide? Comment oses-tu me parler de cette façon? Viens ici. Viens ici. Papa, 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 papa. Papa, tu m'as manqué. Bébé, attends, 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 on doit parler sur ça, hein, s'il te plaît. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout l'amour que je t'ai montré, tu m'as humilié. S'il te plaît, tu ne veux pas me faire ça car tu m'avais abandonné. Oui, tu l'as fait. Tu m'as abandonné pendant plusieurs années. Oui, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu avais besoin? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Est-ce que tu peux arrêter? Arrête cette bêtise. Tu te tiens là, devant moi. Tu passes en donneur de leçons pour que tu puisses te mettre à coucher avec tous les hommes ici pendant que moi j'ai été en voyage. Je suis devenu comme un esclave, travaillant dur pour te mettre dans ces conditions. Je vois. Et tu sais quoi? Si ce n'était pas à cause de mon fils, je t'aurais fait quelque chose de plus dramatique. De toutes les façons, celle-ci sera la dernière nuit que tu passeras dans ma maison. Tu es en train de blaguer. C'est ma maison, tu le sais mieux. On verra. I need you around. I want you closer to me. I want you back. I need you closer to me. I need you back, 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 back. Daddy, I want you back, 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 back. Oh.
Oh bébé, et comment ça va? Tu dois quitter le plus vite possible. Mon mari est là, tu dois te déplacer. Quitte ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu dois quitter. Mon mari est de retour, il revient bientôt. Hein? Quitte, ton quitte. Mari? Oui, mon mari est déjà là, tu dois quitter, tu dois rentrer. Quoi? Je quoi? Dois hein? Il est là. Tu as toujours le courage de te tenir après tout ce que tu as fait. Tu n'arrives même pas à te reprocher sur ce que tu as posé comme acte. Tu n'es qu'une femme rétrograde. Passe par ici. Mais va-t'en, non? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tu te tiens derrière moi? C'est quoi ton problème? Mais va chez ton mari, non? Regarde maintenant la situation dans laquelle tu m'as mis. Monsieur, je suis désolé. Celui-ci est l'homme avec qui tu ne cessais de me tromper. Et c'est la raison pour laquelle tu as abandonné ton unique fils sur le lit de malade. Hein? Merci. Tu es toi. Tu es tu. Malade. Indiscipliné. Non, maman. Toi. Laisse-moi. Pourquoi est-ce que tu parles d'elle? C'est mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, laisse-le. Je vais te gifler. Laisse-le. Toi. Laisse. Allons. Oui, allô? Grand frère, comment allez-vous? Venez d'abord voir ce que votre femme a fait ici. Venez. Elle a fait quoi? Ok, est-ce que tu peux rester là et t'assurer que personne n'est plus entré? J'arrive très rapidement, d'accord? Ok. Ok. L'autre fois, c'était encore, vous avez tous deux un fils qui a 10 ans. Mon fils est tellement inquiet. Juste parce que son père aime son travail plus que toute chose dans le monde. Ce n'est pas ton affaire. Oui, parce que j'aime ma famille beaucoup. Ma famille même, voire plus que ça. Et parfois, les gens pensent que j'aime beaucoup mon travail. Alors, je leur dis facilement désolé. Parce que ma famille est bien prise en charge. Mais c'est ok. Tu penses vraiment que ces soucis de ton travail, c'est ce qui prouve que tu as vraiment besoin de ta famille ou tu prends soin d'elle? Merci, madame. S'il te plaît, demande-lui. Demande-le, madame, s'il vous plaît. Désolée. Monsieur, réponds. Ça, ce n'est pas une raison pour elle de me tromper. Et ça, à mes yeux, oui, ce garçon a traversé beaucoup de choses. Ce garçon a été vraiment traumatisé. Et tu penses que je suis la première personne à le faire? Est-ce que vraiment tu t'entends? N'as-tu pas honte? Et à propos de toi-même, ça fait 10 mois que je ne te parle pas. Ça fait 10 mois que je ne te voyais pas. Ça fait 10 mois que je me débrouillais toute seule. Tu étais où? Ça suffit. Mais je peux voir combien vous n'êtes pas mature. Mais vous n'êtes pas mature. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Dites-moi. C'est bon, je vous verrai la prochaine pour qu'on parle. Merci. Voyons-nous et on va parler. Vous savez mieux. Vous le savez très bien, vous deux, que votre fils
est vraiment malade. Mais si quelque chose de mal lui est arrivé. Mais il ne vous appartient pas, vous deux. Cette femme était en train de me tromper. Elle me trompait. Elle me trompe avec un autre homme. Sous mon propre toit. Sous mon propre toit. Ma propre maison. La maison que j'ai achetée. Parce que je voulais que ma famille soit totalement à l'aise. Oh mon Dieu, mon roi. Mais je suis une femme. Et tu ne peux pas me déclarer innocente. Même toi-même, tu n'es pas innocent. Alors ne te déclare pas innocent. Je te jure sur la tombe de mes parents. Je suis allé en voyage. Je suis resté fidèle. Mais en retour, c'est sans mon salaire. Mon cher frère. Cherche comment tu peux être un très bon père pour ton fils et pour ta famille. C'est parce qu'il n'y avait pas autre chose de plus précieux pour moi que ma famille ainsi que tout ce que je pouvais avoir. La même famille que tu as abandonnée pendant plusieurs années? Mais c'est Zoubi. La seule personne qui peut te couvrir, c'est ta femme. Car c'est elle qui prend bien soin de ton fils. J'ai beaucoup parlé. C'est tellement bien. Mais ce que je vous dis est que vous ne pouvez pas être des parents. Cet enfant ne vous appartient pas. Je crois mieux qu'il doit être volé quelque part. Je crois que vous m'avez compris. Grand frère, ne vous inquiétez pas. Toute chose ira bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Elle a pu le laisser. Elle aussi, il arrivait à mourir. Mon unique fils. Cela n'arrivera jamais. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter, grand frère. Qu'est-ce qui allait arriver alors si tu ne venais pas ici pour que nous puissions découvrir que cette dame était en train de me tromper? Je ne sais pas si ça pouvait t'écouter quoi, venir ici pendant tout, même une fois la semaine. Qu'est-ce que ça allait t'écouter? Grand frère. J'ai tout abandonné pour prendre soin de ton fils. Et maintenant, tu es en train de me blâmer. N'est-ce que tu n'as pas abandonné pour venir former ta famille? Alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, grand frère? Tu avais cherché ça. Alors, finis ça. Monsieur Zoubi, aucun père, dans la normalité des choses, peut laisser sa famille seule pendant plusieurs années. Comme tu l'as fait, tu n'appelles pas, tu ne viens pas les visiter, tu ne les cherches pas,
tout ce dont je viens de citer, tu l'as fait. Et tu ne veux pas te déclarer innocent. Mais tu t'inquiètes aussi. Est-ce que tu réalises cela? Oui. Je réalise que j'ai tout foutu en l'air. Que c'est aussi moi qui ai causé toute cette ennui à ma femme qui l'aurait amené à faire des bêtises de cette façon-là. Et je crois que ce qui est important pour moi, c'est ma famille. Je suis désolé pour ça. Désolé. Je suis désolée aussi. Je suis désolée de t'avoir trompée. Je suis complètement désolée de t'avoir trompée. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je comprends, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Alors, laisse-toi. C'est mort, c'est fini. J'ai aussi eu un rôle dans cette affaire. C'est la vie. Hein? C'est vraiment ça, la vie. Je crois que je devrais retourner les choses pour être très ici. Bien. Comme on l'a toujours dit, c'est bien d'être en bon terme. Oui. Triste. Je dois faire violence pour l'apprendre. Mais je suis content de l'avoir fait. Maintenant, je reconnais toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Et je crois que de cette façon, je ne pourrai plus retourner vers ces erreurs. Et je vous ai vraiment apprécié. C'est ça mon travail. Vous pouvez maintenant partir à la maison et passer des bons moments, comme vous l'avez toujours fait. Merci, je t'en prie. I wish I can get you back, 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 back. I wish I can see.